Tous les lundis, le marché aux veaux de Saint-Laurent-de-Chamousset regroupe jusqu'à 200 bêtes amenées directement des exploitations du Forêt et des Monts du Lyonnais. Ce matin, la halle est demeurée vide, sombre et silencieuse. Les issues sont restées fermées. Les veaux naissants, âgés d'à peine 5 semaines, ont été confinés dans les remorques. Aucune transaction n'a été réalisée. On va être carrément bloqué pour la commercialisation. Tous les centres de regroupement sont interdits, les marchés sont interdits. Il n'y a que de ferme à ferme qu'on a le droit. Les ventes sont donc plus rares. Les éleveurs ont confié leur désarroi au maire de la commune. J'ai bien senti leur désagrément par rapport à tout ça et puis bon, leur colère aussi quelque part parce que c'est une chose de plus qui se met contre eux quoi, quelque part. Et sachant que bon, c'est vrai que est-ce qu'il y a lieu vraiment de s'alarmer de ce problème qu'on vient de rencontrer. La commune se situe dans le périmètre de surveillance de 150 km de rayon autour du foyer de la fièvre catarrhale détectée dans l'Allier. C'est ce qu'indique par mail le service de la protection de la santé animale. Les éleveurs ont donc reconduit les veaux dans les étables. Ils enregistrent une nouvelle baisse de leurs revenus. Un veau, quand il est à l'âge d'être vendu, la semaine d'après ou les 15 jours plus tard, il passe dans une hors catégorie et souvent ils sont déclassés. Donc on perd de l'argent souvent et on le nourrit pendant 8 ou 15 jours en plus. Dans cette période de crise, le principe de précaution imposé par le ministère de l'Agriculture est bien une nouvelle épreuve que subissent les agriculteurs.